Et pour accompagner le déploiement des aides financières décidées par le gouvernement et servies par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, Al-Barid Bank a mis en place un dispositif exceptionnel. Noura Bazir pour les détails. Pour soutenir les familles les plus touchées par la pandémie du coronavirus, le gouvernement a mis en place des aides financières. Afin de faciliter ces versements, Al-Barid Bank va implémenter un dispositif exceptionnel durant cette période de confinement sanitaire. Cette aide s'adresse principalement aux personnes pour qui le travail a été suspendu. Pour les bénéficiaires de l'aide qu'a mis en place le gouvernement à partir du 6 avril, ils recevront un SMS composé de 11 chiffres et ils devront alors se rendre au guichet automatique ou l'agence la plus proche. À travers l'option service sans carte, les bénéficiaires n'auront qu'à rentrer les informations reçues pour retirer l'argent que le gouvernement leur a déversé. Ce dispositif exceptionnel entrera en vigueur à partir du 6 avril. Pour les bénéficiaires exerçant dans le secteur informel, la banque enverra un SMS comportant les éléments du paiement. Dans cet SMS figurera un code de 11 numéros qui permettront aux bénéficiaires de retirer la somme qui leur est allouée à travers les guichets automatiques d'Al-Barid Bank ou auprès des agences Barid Cash après avoir présenté leur carte d'identité nationale. مستفيد كيتوصل بواحد الرساله نصيه فيها 11 رقم ديال مرجع الحواله اللي كتوصل بها على حساب المبلغ اللي هو على حساب الحاله. Pour vous expliquer l'opération à effectuer sur les guichets automatiques, le bénéficiaire doit composer le code qu'il a reçu. Cette somme varie entre 800 et 1200 dirhams en fonction du ménage. Une fois au guichet automatique, le code secret doit être composé, puis la somme peut être retirée. Alors que le monde traverse la pandémie du Covid-19, l'initiative prise par Al-Barid Cash émane des nombreuses mesures mises en place pour respecter les règles d'hygiène et de prévention, conformément aux recommandations des autorités sanitaires.